Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie en Égypte, qui a vécu au IVe siècle. Et en même temps, bien sûr, nous sommes dans la deuxième semaine de Pâques. Saint Athanase, qui veut dire en soi immortel, est quelqu'un qui a beaucoup lutté contre l'arianisme. Les Ariens étaient des gens qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus. Et lui, il a toujours réaffirmé, il a été exilé plusieurs fois, notamment c'était en plus l'empereur de Byzance qui était dans ce cas-là. Mais il a tenu bon, et on a reconnu aussi sa fidélité dans la foi, malgré tout ce qui lui est arrivé. Nous sommes ici aussi parce que nous croyons, et nous croyons aussi au Christ mort et ressuscité, nous croyons au Christ Fils de Dieu et vrai homme. Eh bien, au début de cette célébration, reconnaissons tout d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous grâce à son enseignement et sous sa protection de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bout du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetait de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Prochez le Seigneur de ce qu'il apporte.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Acclamons la parole de Dieu. Puisque nous sommes dans ce lieu des apparitions de Fatima, je pense qu'il est peut-être aussi nécessaire, une fois qu'on puisse avoir une vision d'ensemble aussi sur le sens des messages qui ont été donnés dans le cadre de ces apparitions aux trois bergers, notamment trois petits bergers, les Pastorinhos. Hein. D'abord, il y a la première chose, c'est le fait que Marie, la mère du Sauveur, soit apparue à ses enfants. Ça nous dit une chose fondamentale. La chose fondamentale, c'est qu'il y a bien une vie après la vie, hein, après la mort, il y a la vie. Et puis c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, puisque la personne qui est morte est ressuscitée et qu'elle peut même venir à notre rencontre, en l'occurrence Marie, qui est, on peut le considérer comme la première des ressuscités. Elle est vivante et elle a le souci aussi pour nous. Donc vraiment, avoir en conscience que ce genre d'apparition nous rappelle cet élément fondamental. Croire qu'il y a vraiment une vie qui vaut la peine après cette vie ici-bas. La deuxième chose qui est aussi importante, elle est un petit peu illustrée par toutes les révélations dans l'un des secrets qui parlait, ont montré au petit berger de Fatima une vision de l'enfer. Alors, bien sûr, on peut prendre les choses à la lettre et puis regarder chaque image dans le détail et puis dire, mon Dieu, quelle horreur. Et c'est vrai, c'est une horreur. Mais le but de ceci, c'est d'abord d'essayer de dire quelque chose qui nous dépasse parce que ça concerne l'au-delà. Hein, pour dire cette réalité, évidemment, Marie a dû prendre des images qui sont du genre, comme on appelle, apocalyptique. On trouve ça dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont des images qui essayent de transmettre quelque chose de cette réalité qu'on a de la peine à saisir. Mais une chose que l'on peut retenir de cette vision-là, c'est de dire que le salut, le ciel avec Dieu, il n'est pas automatique. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, bon, de toute façon, le Seigneur est bon, alors pas de problème, pas de souci. Oui, mais ça dépend de notre choix.
Finalement, nous avons toujours un choix à faire. Hein? Ça veut dire ça, c'est très important. Ce que je vais avoir dans la vie qui suit celle-ci, hein, après la mort, ça dépendra de ce que j'ai vécu ici. Même si c'est au dernier moment, hein, comme le bon larron sur la croix. Mais il faut que ça soit sincère. Parce que des gens s'imaginent, alors je fais n'importe quoi, et puis au dernier moment, eh bien, je vais demander pardon à Dieu. Ouais. Mais il y en a qui se sont tellement corrompus, ont tellement corrompu leur conscience, qu'ils sont incapables de reconnaître finalement leur propre péché. Et comment pourraient-ils être pardonnés par Dieu s'ils ne reconnaissent pas leur péché? Donc, il ne faut pas prendre de risques. Hein. Ça veut dire, attention, hein, ça c'est la deuxième idée, vraiment, notre vie après la mort dépend du choix que nous aurons fait ici-bas. Et ce choix n'est pas anodin, il n'est pas automatique. C'est un choix fondamental de vie. Et il faut le faire le plus vite possible, parce que plus on attend le dernier moment, plus c'est difficile. On prend un risque. Tandis que si on le fait dès maintenant, on est déjà en présence de Dieu. Et finalement, on fait maintenant le choix de Dieu. Par contre, si on a fait le choix de Dieu, pas besoin d'avoir peur de l'enfer. Hein, du moment qu'on est avec le Seigneur, pas de souci. Même si on n'est pas parfait, ce qui est clair. Là, ça, c'est la deuxième chose. Puis, il y a la troisième chose importante. La troisième chose importante, c'est de prier. Et prier, Marie insiste beaucoup sur la prière, parce qu'elle se rappelle, elle fait aussi allusion à une réalité de la foi, à une vérité de foi. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints, c'est finalement cette profonde communauté qu'il y a entre tous ceux qui croient au Christ, hein, qu'ils soient déjà vivants auprès de Dieu ou encore vivants ici-bas. On forme ensemble une immense communauté de croyants. D'abord, c'est ça qui est important, immense communauté de croyants. Bien sûr, pour ceux qui sont déjà auprès de Dieu, tout est clair. Ils savent tout, ils ont tout compris. C'est génial, c'est vrai. Nous, on n'a pas tout compris. Mais c'est un petit peu comme lorsqu'on se trouve dans une sorte de... Je ne sais pas si vous avez vu les films, dans les films avec des interrogations policières. Hein. Il y a une salle d'interrogation. Maintenant qu'on utilise une vitre sans teint ou bien l'ordinateur, c'est la même chose. Les gens qui sont interrogés dans ce lieu savent que d'autres les regardent à côté. Ils ne les voient pas, mais ils savent qu'ils sont là. Et évidemment, ceux qui sont de l'autre côté voient tout et comprennent tout. Ben, c'est un petit peu la même chose. Tous les saints qui sont auprès de Dieu voient ce que nous faisons, comprennent ce que nous vivons et sont tout prêts à nous aider dans la prière. Et nous, on ne les voit pas, mais ils sont quand même là. Finalement, tout proche. Et ça, c'est la réalité de la communion des saints, une réalité qui se vit tout particulièrement dans le cadre de l'Eucharistie, où nous vivons ça avec tous les autres, tous ceux du monde entier, et aussi, tous ceux qui soient au ciel ailleurs dans le monde entier, par-delà le temps et l'espace, aussi avec les anges d'ailleurs. Donc, cette troisième chose, bien se rappeler qu'il y a cette communion des saints et que nous pouvons prier les uns pour les autres, demander les uns aux autres d'intercéder pour nous, entre nous ou auprès de ceux qui sont déjà saints auprès de Dieu. Nous, c'est encore à venir, je l'espère, bien sûr. Mais là, on leur demande de prier, on demande particulièrement à Marie d'intercéder pour nous. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a proposé de faire à de nombreux endroits où elle est apparue. Hein. Prier, elle agit comme un prophète, en fait. Hein. Prier, parce qu'on peut changer les choses. N'oubliez pas, le message de Fatima a été donné en 1917. À une époque, c'était en pleine Première Guerre mondiale, à l'époque où le communisme a commencé à naître, avec tout ce qu'il y a eu. Mais elle voyait beaucoup plus loin, bien sûr, et comme prophète, elle a dit « Maintenant, il faut prier pour que ça change. » Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont changé, puisque le communisme, au moins en Russie, ne l'est plus là. Et puis que, finalement, la foi est revenue, parce que Marie demandait qu'on prie pour la conversion de la Russie aussi. Mais elle a dit que ça viendra. Puis on est déjà en train de vivre ça, même si ce n'est pas complet, c'est pas mal. Actuellement, en Russie, par exemple, il y a déjà eu plus d'églises reconstruites que d'églises qui ont été détruites à l'époque du communisme. Et puis ça, en quelques années, en peu de temps. Donc la foi renaît. Bien sûr, il y a toujours du travail, mais il faut aussi que la foi renaisse chez nous. Hein, parce que parfois, elle est un peu fatiguée. Hein. Les fidèles sont parfois un peu fatigués, moins motivés aujourd'hui. C'est important de retrouver ça. Et c'est
possible. En tout cas, ce que Marie essaie de dire à plusieurs reprises, priez pour la paix, c'est possible. Priez pour que les gens changent et n'aillent pas en enfer. Ben voilà, priez, c'est possible. Alors pensons à cet aspect-là, en lien avec la communion des saints. Et bien sûr, la prière la plus importante à laquelle nous pouvons nous unir, c'est aussi l'Eucharistie, hein, c'est une valeur fondamentale. Donc, première chose, la vie dans l'au-delà, la vie après la mort, est une réalité extraordinaire. Ça vaut la peine d'aller vers cette réalité-là, parce que vivre avec Dieu, c'est fantastique, hein, car regardez Marie, voilà. La deuxième chose, c'est que nous devons faire un choix, puisque le salut n'est pas automatique. Dieu ne va pas dire, de toute façon, moi je suis bon, alors soyez d'accord, pas d'accord, je vous prends tous. Non, non, ceux qui veulent, parce que Dieu respecte trop notre liberté pour décider à notre place. Donc, ça dépend de notre choix. Vous pouvez regarder dans plusieurs passages des évangiles, on retrouve cet aspect-là. Puis la dernière chose, c'est qu'on peut changer des choses en priant. Ici-bas, en demandant l'intercession aussi de ceux qui sont auprès de Dieu. Et donc, on peut changer des choses, changer la réalité du monde, faire que vraiment ce monde soit meilleur, qu'il soit en paix, que les gens retrouvent la foi. Voilà, il y a bien du travail à faire. D'ailleurs, si on est ici aussi, c'est pour prier dans ce sens-là. Seigneur, accueille-nous devant toi. Eh bien, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, l'évêque de ce lieu, Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous pouvons penser particulièrement à tous les défunts de nos familles. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.